Le Premier ministre chinois Li Keqiang a mis en avant 8 tâches pour cette année dans son rapport de travail pour le gouvernement. L'une d'elles est une nouvelle période d'ouverture de haute qualité. Il a déclaré que cela commençait avec l'initiative Une ceinture et une route, laquelle relie l'Asie et l'Europe. Nous allons promouvoir le développement régional intérieur, l'ouverture et la coopération économique internationale d'une manière coordonnée. Nous allons travailler avec d'autres pays et régions pour construire des couloirs économiques terrestres et des pôles de coopération maritime et promouvoir la connectivité, la coopération économique et commerciale et les échanges culturels. Nous travaillerons pour développer des mécanismes de coopération, pour assurer une compatibilité dans les procédures de dédouanement le long des routes et construire des réseaux logistiques internationaux. Nous allons promouvoir le développement des zones de coopération économique frontalière, des zones de coopération économique transfrontalière et des zones de coopération économique et commerciale extérieure. Avec un engagement pour arriver à un développement commun et partager la croissance à travers une consultation commune, nous assurerons que l'initiative Une ceinture et une route crée des liens de paix, d'amitié et de prospérité commune.